pas joué depuis un mois. Je l'excuse. Mais l'excuse, mais l'excuse, elle est quand même valable, fils de pute. J'ai pas touché au jeu depuis un mois. Un mois. Un mois, mon gars. Un mois. J'ai un mois. J'ai un mois. Si tu gagnes, imagine. Écoute, Dieu te répond. Moi j'ai une question, moi je veux que tu sois sincère. Genre, tu vois, tu nous considères tous comme des joueurs ok, tu vois, pas excellents. Mais pour toi, genre, c'est qui le qui est un peu en dessous, genre? Attends. Contre toi, ce serait Kelly Boy du coup. Wow. Qui aurait le moins de chances de win à 1v1 contre toi? Ah ouais. Mais en vrai, c'est une bonne question, non? En vrai, qui aurait le moins de chances de win à 1v1? Ouais, contre toi. Je sais pas, mais franchement les gars, ok, on fait un truc. On met genre un petit billet de 100 euros sur la table, ok? Ouais, je vous prends tous en 1v1, mais laissez-moi un mois. Hein? Laissez-moi un mois, il faut que je me remette dans mon niveau de jeu. Ouais, un mois, il va faire que des vas-y. Mais je vais faire que ça, mon gars. Mois, mais ouais, mais moi je suis un fils de pute, mon gars. En revanche, et ce sera pas en live, bien sûr. Bah oui, ça c'est ça hors va, de question. Je vous ai déjà alors, expliqué, je peux pas tryhard avec deux projecteurs dans la gueule, c'est pas possible oh en fait. L'excuse. Oh mais nique ta mère toi. C'est grave. L'autre il est bien et tout, il en a rien à foutre. Imagine je t'aurais demandé de reculer ton écran de 30 cm pour qu'on puisse te voir sur la caméra dans une logique de prod. Mais tu m'aurais dit d'aller me faire enculer. Vas-y viens. Alors que pendant tout le bootcamp, fils de pute, on était le seul où on voyait que l'écran. Et la caméra bah je pouvais rien faire sur toi. Moi je suis chaud si tu veux, je change de sensi, on fait 1v1. Oh la provoque. Je la double ma sensi si tu veux. Il est joueur. Il réfléchit. C'est ça. Je suis en train de me gratter le machin. C'est impossible, mon gars. C'est impossible. Okay. Mais je jouerai pas. Ça sert à rien. Je joue pas. Je joue pas. Si tu veux. Mais non, bah, non, du non. Du coup, c'est moi qui ai la free win alors, vu que t'as abandonné. Non, parce que je dis pas que je ne veux pas participer. Je dis que c'est hors de question. Je connais parfaitement quel est mon niveau de jeu. D'accord. Je le sais quel est mon niveau de jeu. D'accord. C'est hors de question de jouer dans un contexte où je pourrais avoir n'importe quelle excuse. Je veux être sûr que si tu gagnes, c'est parce que t'as été meilleur que moi. Et en fait, je ne cherche pas les excuses pour ne pas participer. Je sais que ces excuses ne sont pas les excuses qu'elles sont valables et que je ne peux pas participer si j'ai pas le niveau où je me dis « là, je suis prêt ». C'est hors de question. C'est hors de question. Du coup, j'ai la free win vu qu'on est 5. Ah, si tu veux. Je t'envoie une petite image sur Discord, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y, bah c'est... Ah, du coup, c'est la mère Ascart ou pas? Six, moi j'ai un truc à proposer, Six. Non mais Jaya, tu parles trop, hein. Non mais c'est pas que ça concerne, enfin ça nous concerne pas là. C'est, on fait premier round, Nero contre Alpi, le gagnant il joue le force entry. <C'est pas possible. rire> Moi sur Fade 1v1, je vous mets tous, hein. Vous acceptez ou pas, les gars? Nero Alpi. Vous voyez, attends, moi ça me chauffe, hein. Ah merde, il l'a centré, moi, fils de pute là. Moi j'ai 50 euros, moi. Pourquoi ça a centré? Il a joué contre Scart, ça va. I don't know, okay. French. En vrai, moi je préférais jouer contre Scart. Hein. Vous estimez trop, les gars, vous estimez trop, c'est ça votre problème. Oui, Scart, tu as raison. Tu as la sur l'RV1. Scart, on a ta banner sur YouTube. Vous allez voir. On a ta banner sur le live, tu peux la mettre sur Twitter? De quoi? On a fait une banner pour toi sur le live. Tu la mettras sur Twitter, celle-là? Tiens, je regarde. Pas sûr, je vais y réfléchir. Ah. GG les gars, pour les gars du chat, n'oubliez pas qu'on est juste une équipe en ELC, on n'a pas les mêmes objectifs, on est bien moins fort que eux, on le savait, on est venu car on nous a demandé. Maintenant, pour les gens désagréables, on vous invite à DM Nospé pour la même chose. Oui, The Voron. Oui, tranquille. Ouais. C'est vrai qu'on peut... c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je comprends. Soyez tranquille, c'est pas la CACORP ici. Et là, c'était déjà, ils ont été sympas d'accepter le match, ok. Et Youngtis commence à avoir, même si c'est relativement récent, il commence quand même à avoir certaines habitudes depuis un mois et demi maintenant qu'ils jouent ensemble. Donc pour une équipe qui est relativement jeune en face, c'était normal que Youngtis gagne en l'occurrence ce soir. Et ça remet pas en question le niveau individuel ou collectif de l'équipe qui était en face. Et après, c'est toujours pareil au final, il y a toujours un curseur qui est assez difficile.
Ça fait du bien aussi pour une équipe comme Youngtis de temps en temps d'avoir des matchs où il y aura moins de pression, où il y a moins d'intensité, etc. Et où on peut juste plus, bah, au final, jouer à Rainbow Six en s'amusant. Ce qui ne veut pas forcément dire... La frontière de l'amusement et de l'irrespect, elle est très floue. Et voilà, et de temps en temps on s'amuse, mais c'est vrai que ça se fait souvent aux dépens de ses adversaires. Mais il n'y a pas de volonté derrière d'être irrespectueux envers ses adversaires. Il y avait en revanche la volonté ce soir peut-être d'être dans une logique de reprise plus cool. Voilà. Est-ce que ça va ? Bien dit les termes. Hein ? Bien dit. Mais GG à vous de vos runs et vous reviendrez plus fort. Voilà. Non mais franchement, la Twitter banner elle est parfaite, non ? Elle est parfaite, ouais. Envoie-la-moi, tu me l'as envoyé ? Non, bah c'est RQ qui l'a faite. Elle est incroyable, je la mets. C'est pas moi, c'est Hero Cool. Aïe, aïe, aïe. C'est Hero Cool. Merci, Hero Cool. Aïe, je sais pas aïe. Si on se connaît assez pour que tu fasses ça, mais merci, ça fait plaisir. Bon, on fait quoi ? Vous êtes 5, du coup. Vous êtes 5, ok ? Soit chacun joue contre chacun, et donc du coup, il y a... Ça hein va être ultra long. C'est un championship. Un arbre suisse. Ah. Vas-y, moi je suis chaud. Vas-y, on peut. On okay. peut faire deux matchs simultanés ou pas ? Bah du coup ouais, on va faire ça. Ça va être trop long non ? Non, ça va être trop long. Bah comment ça, deux matchs simultanés ? Bah ça va être trop long sinon. Mais il y a 3-1-1 à faire. Hein. Non, c'est 5 du coup. Non, c'est 4. Enfin, chacun doit jouer contre chacun. Celui qui joue pas les matchs, il caste avec toi. Ouais, si on doit faire chacun qui joue contre chacun, ça va être infini. Chacun qui joue contre chacun... On fait 4-1 quoi. On fait ce qu'on a dit, Alpi contre Nero, JL à la free win et... Moi contre Skart, et après ça continue, on fait gagnant de... Ah ouais, on peut pas faire deux matchs en simultané, bah c'est après, après on dit 3. Oh, on va faire un loser bracket. c'est vrai que c'est... Non mais un match... Non, ça va, mais juste tu mets pas tant de mon round que ça. Ouais, j'avoue, on peut faire à 4 rounds. Hein, non, faut faire le truc bien, à la limite on le terminera pas aujourd'hui, tu vois. Vas-y. Oh putain. Non, mais moi je vais faire un truc réel. Attends, t'es ouf ou quoi ? C'est parti là. Y'a combien du coup ? Comment ça, le password n'est pas valide là, mec ? 50. 50 balles. Ok. Et du coup, c'est quoi là ? Qui commence ? Moi je peux jouer, hein. Moi je suis chaud Nero contre Alpi, un petit enjeu au moins. Oh, nique ta mère là, le truc. Là. Ah. Mais non, mais c'est challenge là. Oh, mais. Non, mais y'a pas un générateur breaker, bracket hein. Oui, mais si, mais je peux le faire sur. C'est juste que sur Shalom, du coup, je le connais. Générateur bracket. Bah oui, generatorbracket.com. Le fameux. Tournament manager. Mais je l'ai, t'inquiète. Il faut juste que je me connecte. Okay. Discord. Ah, il est là. Ok, c'est parti. Autorisé. Vas-y, mais alors, on veut un partage d'écran, on veut pas de fraude, nous. Hein. Pas de fraude, un partage d'écran ? Ok. C'est parti. Il y a le stream, non ? Ouais, si on y a le stream. Oui, mais il voulait que je montre à l'écran. Je fais créer un tournoi. Oui. Tournoi. Ok. Nom du tournoi, Salty Duel, Youngtish Edition 1. Ah, mais du coup, attends, l'URL, faut pas que les gens rejoignent, du coup, non ? Mais on s'en fout, ça, je peux vous inviter. Ah, ok. Je pense. On s'en fout, ça va rien changer de toute façon. Rainbow Six siège, mais peut-être que je... C'est... les groupes... Non, c'est tournoi single stage. Simple élimination ou double élimination ? Ouais. Double élimination, c'est avec loser bracket. C'est loser bracket, du coup. Ça va être bad. Ah ouais, vas-y. Mais faites loser bracket, au moins ça dure plusieurs soirs. Bah ouais. Ça laisse une seconde chance. Imagine tu perds parce que l'autre il fait des parce trucs bizarres. Parce que l'autre il cheat là. j'ai joué mon wallack, rien à foutre. 49 mois d'abonnement, putain. Fractius, tu mets bien, gros. Hein. Ouais, merci Fractius. 49ème mois d'abonnement. Comment vous prenez pas un euro, bande de bouseux ? Ma cam elle a explosé. C'est vrai, lui, regarde les yeux bouger. Attends, toi, t'as Kama, toi. Oui. Oh, nique ta mère. Mais ma ouais, c'est maintenant. Ouais. Faut que tu le mettes maintenant, faut que tu mettes toujours en Sterling. De mémoire, tout est bon là. Tout le monde qui peut rejoindre, du coup, je crois. Non, Attention. Je vais fournir une liste. C'est fournir une liste.
Require fournir une liste de participants. C'est au prochain truc. Ah, ok. Ah oui. Nom d'affichage. Du coup, Jaya. C'est comme ça c'est écrit ouais. G-E-Y-K. Ouais. Bon, quand okay. même. R-Q-N-K-R. Appelle-moi l'IKEFAC, comme ça, s'ils sont le contraire Q, j'ai plus de chance. Alpi. L'IKEFAC. L'IKMAIFIAC. L'IKMAIFIAC, ouais. SCART. Ok. Donc là, machin. Distribution aléatoire. Bim. Là, ça vient de faire le seed aléatoirement. Ok. J'espère que j'ai un. J'espère que j'ai un. Je suis premier. Du coup, moi je joue. Non, tu joues pas contre moi, Skart. Ah si, tu joues contre moi, je crois. Est-ce non, que tu joues contre Alpi, moi contre RQ. Est-ce que je peux lancer là? Et Nero, il fait rien. Parce que je suis seed 3 et. Et oui, on a la free win. Comment est-ce que je peux lancer? Skart, il va jouer. Bah, clique sur arbre. Clique sur arbre. Bah ouais, arbre. Oh. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà comment ça ah, joue. Moi, j'ai la free win. RQ contre Alpi, Nero à la free win. Oh non! Skart contre ah, Jaya. C'est le pire adversaire que je pouvais. Ah, mais il y a un loser bracket! Il y a un loser bracket! Prépare tes fesses, Jaya, prépare tes fesses! Tu vas me massacrer, je pense. T'as dit quoi, Skart? Je suis super nul en EV1. Ah! Je suis super nul aussi. Oui, c'est vrai. Regarde-le. Non, toi, t'es super nul. Moi, je suis super nul. Franchement, t'as des fesses, tu maintiens bien en sus. Putain, la vache. Dab, là, comment c'est le tournoi sport. J'ai lancé tout de suite, lancé tout de suite. Arrêtez. Fais le lobby. Ok, c'est parti. Attends deux secondes, quoi, j'ai du mal. Mon cast. Attends, ouais, viens on partage l'écran. Fais un partage d'écran, comme ça on fait le cast à 3 là. Comment ça un partage d'écran? Il y a un bâtiment sur Discord. Est-ce que je peux partager l'écran en plus du truc? Ok. Oui, t'arrives normalement. Je pense. Mais j'avoue, faudrait un bad map. Je peux partager une application, non? Oui, c'est égal, c'est égal. Oui, fais ça. 1440p, bien sûr, oui. Toujours. Ah là, c'est en 2K, je vous l'envoie. Ah oh, oui, merci. On a mis les meilleurs quelques streams, let's go. Ah bah, merci Scripto pour le fait d'être un nouvel étudiant. Wera pour les 8 mois. Senseiya pour les 8 mois, vous êtes des monstres. Merci Scripto pour non. No 172 no. Merci pour ces 3 mois. Attendez, 2 secondes parce que sûrement on va y rester 3 heures. Jouer, du coup, on va aller là, bam, jouer, ta, partie personnalisée. 50€ pour le gagnant, ou alors, ça c'est un winner takes all, ou alors 35-15. 35 pour non, le premier, 50. 15 pour le deuxième. Non, 50, comme vous 50 pour le premier, 30-50 pour les le premier. Les rares, donner 15 pour le deuxième. Non, mais frère, c'est t'inquiète, non. Gagnant. C'est oui, Chalpi, tu penses pas que tu vas finir premier? Ok, créer une partie en ligne, créer une partie en local. Ok, je crée une partie en ligne. On stream sur Discord, je sais pas si... Ah ouais, tu non mais j'ai streamé Discord en fait, je suis débile. Ah bah c'est pour ça. Ouais, j'ai à toi. T'as pas le droit de répondre. What? Partage ton écran. Mais du coup le bad map on fait sur toutes les maps positives. On est d'accord. Y'a pas de bad map, ça pour rigoler, vous voulez vraiment faire un bad map? Quelle map? Mais non, c'est House, Yacht et Plane. Oh là là. Allez go, ouais, c'est bien, ça change. Non, en vrai, non, vas-y, ouais, ça change. J'ai pas envie de jouer House tout le temps. Ah, mais vas-y, là, au Régon, je te laisse faire strat et tout, mais là, House, là, ça a redistribué. Non, justement, c'est pour ça, c'est marrant de. Moi, je vais t'emmener sur Yod, les gars, je te préviens. Comment ça prépare. Il y aura un décalage en revanche, parce que vous êtes pas sur le. Il aurait fallu vous mettre sur Parsec, mais c'est pas grave. Salty Duel, c'est parti, c'est créé. Tac, États-Unis, non, pas du tout. États-Unis, mais en centrale, Europe, web. Parce que RQ, il va avoir un ping. C'est sûr? C'est bien. Si tu peux, ouais. Europe. Ouais, non, nique ta mère, c'est bon. Bon, bah voilà, merci, moi ça me donne un avantage. On est aux États-Unis. On est aux States. Oui, j'ai compris, c'est bon, j'arrive à lire, bande de fils de pute. On est bon. Que Europe, créer, nanana, créer comme spectateur. Vas-y, le type commence à bailler. À bailler. Oh, comment je vais mettre les streams sur mon deuxième écran, les gars? Ouais. Ok. Et en combien de manches du coup? C'est normal. Bah normal, c'est jusqu'à 7 du coup. Ouais. C'est du 6-6 là. Allez, 6-6. C'est bon, arrête de faire ta petite mijaurée ouais, là. Alors que moi j'aimerais bien regarder au lieu de jouer direct. Skart, c'est parti. Moi. Oui, il va regarder tes strats. C'est qui? Ah non, c'est Nero. Fais RQ et. Ah oui, c'est Nero. Non, c'est RQ et. RQ et. Oui, et Alpi. Et Alpi. J'ai rien dit. Non, c'est Nero qui a la free win. Ok, c'est parti. Vous l'avez tous. Let's go. Sécurisation de zone, bien sûr. Non, parce qu'en fait, tous les deux, c'est plus ou moins pareil. Ok. Enfin, je te pine. Oula. Ah ouais, avec plaisir. Vous voulez quoi? Qui est-ce qui commence le bad map?
Le bad map. Ah, 3 maps. Ah, c'est le mec qui... Allez, qui est-ce qui banne? Yacht, plane ou house? C'est qui doit ban du coup? Normalement, c'est celui qui est en premier, qui choisit tout en fait de mémoire. C'est comme ça que ça se passe. T'inquiète. Qui Vas-y, RQT à gauche, tu commences le ban. Je ban yacht. Vas-y. Ban maison. Ok, ce... Allez, sera plane. RQ, tu je choisis le plane. Side. Je suis en défense. Ah, ouais, ouais, voilà. Vas-y, tu peux te mettre à droite du coup. Comme ça, moi je sais où ils sont les BP. Mais, mais ça change 1-1. Genre, tu fais d'abord un round en attaque. Oui, c'est un attaque, un attaque, ouais, un défense, mais... un attaque, un défense. Mais déjà, je vais avoir l'avantage. Le premier round, il saura pas où je suis. Normalement, on est bon. T'as commencé en défense. Ah oui, c'est pas plane. Vas-y, moi les gars, je m'éteins. On a dit à toutes. Bon, on est à l'heure. Vous êtes ready? Moi je suis ready. Ah, RQ, t'es ready? C'est l'avion. Ah, mais je suis con, je pensais que c'était moi. Plane, ouais, c'est l'avion. Oh la vache, ouais. Niveau 2 anglais. Ouais. Wow. Emerald Plane. Du coup, c'est... Ah, c'est vrai. Ok. Mais je me suis fait avoir. Putain, mais du coup, ça a niqué la strat. Ouais, bah allez, dépêche-toi. Ouais, bah vas-y, faut lancer là. Ok. Juste. Have fun. Good luck, 50 euros, les gars. HF, HF. On se mute ou pas du coup? Vas-y. Oui, tu te mutes. Ok, je me... Et nous, on est au cast, c'est ça? Ouais. Mais il y aura un décalage pour vous. Bah non, on est sur Discord. Bah oui, pourquoi? On va en même temps que toi, hein. Bah on va regarder le timer, on va avoir... La 14, 13, 13, 12, 12, bah non, on est pareil, 11, mais sur 10... Discord, c'est un lien direct. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Oui d'accord, ok, c'est bon, non, c'est bon. Il va nous faire toute la pendule, ce fils de pute. Ah, le banning direct. On pense à banning. En plus, quand on a parlé de ça tout à l'heure. De quoi? Je commence à mon raf. J'ai rien demandé, moi. On a parlé de quoi tout à l'heure? Par broadcast, tout est chaud là. Ah oui, c'était du gros troll. J'ai casté Mister 33 en clutch en ranked. Blitz, j'avoue, Blitz c'est insupportable. Bon, j'ai pas de son, moi. Je sais pas si. Ah, mais non, en fait. Ouais, mais c'est normal. Enfin, je crois que c'est normal. Ouais, parce que. Ouais, je sais pas. Peut... Ouais, c'est pas grave, tranquille, non, tranquille, je sais pas. Ouais, mais c'est un setup double PC, tu sais. Ah oui. Et Jaya, il fait quoi, là? Merci MadPie pour les 3 mois. Il est parti faire des strats. Ah, on a pas besoin de la cam, là, ça. Il est parti strat. T'as vu ce que j'avais mis sur le live ou pas, Jaya? Non. Ah bon? Ah oui, quel drogo. LP Ace. Et puis en mode support. Capcom comme d'hab. Vas-y, faites le casse là. Moi je suis observateur. Ouais, RQ, c'est vrai qu'on l'a déjà vu sur du Capcom sur ce genre de situation. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va amener sur cette map. Peut-être quelque chose de nouveau. On voit directement Alpi en phase de préparation. Un très beau placement de drone, très intelligent. Il va. Il y a Furious, là on a Furieux. Vas-y, mais casse, Jaya. Fury Mouse. Là, non. Oh fuck. Non, phase de drone, tranquille. Je te laisse faire les setups. Et directement la manche qui commence avec Alpi, XT nord de l'avion qui va prendre l'échelle. Alpi qu'on connaît évidemment. Qui va commencer le droning directement. On voit qu'il s'applique. Un drone de bac que personne ne pourra prendre, malheureusement. Oh, dommage, je manque de timing. Il aurait 10 de game sense de plus. Jaya, t'ouvres trop ta gueule. Mais t'as pris en confiance depuis la gamer à 100 000. Je sais pas ce qui t'arrive. T'es pour rigoler, moi. Mais non, mais jamais tu tentais des blagues comme ça avant. T'étais tout shy et tout là. Bah c'est normal, on se connaissait pas trop. Ah ouais, mais maintenant. Oh, RQ, tu lui as fait la technique. La technique serbe. Oh là là. Oh, le duel de pingouins. Il vient de prendre les capcans. 100% il se prend les capcans. Ah non, l'intelligence de jeu. Il en a oublié un. Oui. Non, mais il l'a vu. T'es sûr? Je crois qu'il en a oublié un, ouais. Ah, l'observateur qui nous fait magnifique. Ouais, non, il les a enlevés. Donc elle pille très lourd dans ce couloir. Phase de tempo. 1 minute 5 au compteur. Il a aucune info. Attends, mais il a plus de drone, mais il a un drone de bac. Canard. Il est en train de se crier à lui-même canard. Freeze.
Il va bait avec la charge, il va se mettre. Ah non. Non, il va rentrer dedans, il va pré-shot. Oh, what the fuck! Il a arraché Hercule. En vrai, c'est bien joué. Hercule, il pensait qu'il allait bait, je pense, avec la charge. Non, mais Jaya, il nous parle comme s'il avait gagné 6 Pro League. Non, mais c'est la logique de jeu là, comment Hercule décale la porte. 6 Invitational. Franchement, bien joué. Ça me rappelle un petit peu. Ça se voit. En 1997, on avait eu un mouvement un peu similaire de la part du joueur Alpi. Non, mais c'est logique. Qui avait utilisé une technique serbo-croate, pas piqué des hannetons, franchement. Là, c'est oui, je sais. Pendant la phase de préparation avec une alibi dans les mains d'Alpi. N'empêche que son scan, au niveau de la décale est dégueulasse, et son crosshair placement est au niveau de la couille gauche quand même. Mais bon, Après, il savait qu'il était lourd. Oui, il a mis un HP. Oui, c'est vrai. Il cherche l'efficacité, je suis d'accord. Donc on sait à quel point il s'en fout de la stratégie là. La MX. Oula, il renforce sa couille par contre. La stratégie. On l'a jamais vu autant. Ah la vache. La stratégie qui est présente. En tout cas, on suit la bête du côté d'Alpi. Oh le shield, très bon placement du shield. Oh magnifique. Petit shield en détente. Ah, le beau prisme aussi. Ah, il s'est pas déployé. Oula. On a un peu de mal. Ace encore. Elle est 1v1, ça pue trop la merde là. Quoi? Oh le rush. Oh comment il rush. Il s'en bat les couilles. Il a eu peur d'un coup. Ouf. L'air qui. Le petit Ace, logiquement. Il traverse là, bah oui. Oh. Ouais. Le film, j'ai joué bien alors. Oh là là, et puis agressif. Arcu, il est débile quand il joue en 1v1, c'est hoche. Hein. Mais après, c'est un style de jeu différent quand même. Bah ouais, c'est je te jure. Que vous le vouliez ou non, en revanche, c'est vraiment. Ce n'est pas inutile. Genre vraiment, je suis très premier degré. Ce n'est pas inutile comme style de jeu. Vraiment, moi au début, je me disais, ouais, c'est un peu nul, les solitaires, enfin les duels et tout. Bah, c'est un. C'est pas. Ça va pas forcément te montrer le. C'est un exercice qu'il est intéressant de prendre sérieusement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais ça, moi je trouve que ça sert à rien parce qu'il y a trop de choses en compte. Enfin, trop de choses à prendre en compte quand t'es 5. Bah, non, mais ça aide pour plus, quelques vois, situations. Ouais, mais tu ça vois. Aide quand même oui, pas mal. Ça permet quand même d'avoir une personne qui va au final. Ça permet quand même relativement vite de voir la capacité du joueur à tout seul. D'avoir un déroulé, d'avoir une certaine logique. Tout seul, hein ? Faire toutes les phases d'une attaque ou d'une défense tout seul, quoi. Non, et puis non. Même, il va y avoir des gens qui vont être vachement, qui vont jouer clairement sur leur mécanique, donc ils vont être en mode je drone juste pour savoir où il est et je vais tenter mon duel, tu vois. Et puis tu vas voir des mecs comme Likefak quand il a gagné, qui vont être vraiment dans la logique de je vais dérouler le jeu pour que, au final. Quand bien même j'ai les mécaniques, je vais tellement l'acculer le mec en face que je gagnerai un duel qui sera pas du 50-50 au final. Qu'est-ce qu'il fait RQ? Ouais, mais après Liké c'est pas pareil. Bon, tu vois c'est un mec qui c'est le top du top niveau du jeu. Ouais, enfin Liké s'est entraîné pour les salty duels. Ah, mais dans tous les cas, même s'il s'en serait pas entraîné, c'est un mec tu vois depuis le début du jeu il est grave intelligent comme il joue. Oui, ok. Il est grave au-dessus de la moyenne, tu vois. Je suis d'accord, mais ça n'empêche que de dire que l'exercice, la simplicité de tomber et de se dire « Ok, les 1v1, ça sert à rien », c'est vraiment débile. Ça te fout, je sais pas. Oh. Ouf. Wow. Oh. Beau kill, beau kill. NS. Ouais, il t'a arraché. Hein. Dès qu'il prend sa petite Ella, là. Bah, tu es plein de tension, là. En vrai, je pense qu'il y avait peut-être le ping. Hein. Regarde le ping un peu. Ça donne quoi sur le ping? Non, ah, ça va. Pareil. 60, ouais. 7, ouais, 70, c'est pas. Il est dans les locaux d'Ubisoft. Hein. Non. Il est en bootcamp. Qu'est-ce que c'est que ce truc là de bug? Avec le bug tout kawaiiné. Bah après, du coup, c'est qui? C'est Skart et. Skart contre GA? Ouais, Skart et GA. Et moi, je prends le winner de ce match en fait. Non, ouais, tu prends le winner d'Alpi RQ. D'Alpi RQ. Ouais. Mais c'est pour ça que Jaya il commence à dire que ouais les 1v1 c'est pas représentatif. Mais oui, merci. Parce qu'il flippe ça. Parce que petit caca culotte. Non mais franchement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Non mais moi je m'en moque. De toute façon, les duels ça sert à rien. Ça te dérange pas ça? Je sais que je suis plus intelligent que toi.
Il commence à se backup, genre. Aïe aïe aïe. Non, mais je vais gagner, il a un ego hyper caché. Il non, fait genre, je... non, j'ai non. pas d'ego et tout, mais en fait, c'est un gros fils de pute. Mais non, mais je dis pas que Scart est bête. J'ai juste que c'est logique que je sois. Il a dit que Scart était bête. Vous avez entendu? Ah, je rigole. Je vais gagner, tranquille. Moi, je pense que Scart, il te pine. Je vais te piner. Je voulais faire un pin, mais j'ai non, pas. Non, refais jamais ça. Ouais, ouais, c'est bizarre ton micro quand tu fais ça. Ça va aller vite. Oh, je pense pas que ce soit le micro le problème. Non, je pense pas. RQ qui prend les bridges. Ok, le replacement intelligent tout de suite de Alpi qui a l'information. Oui, couvert, qui va le piquer et qui va le travers. Oh, comment tu s'est passé là? Ouais, je suis caster. Il a voulu droner. Ouais. Oh, il voit le coude. Il voulait droner dans une position bizarre un peu. Ouais, j'avoue. Mais il voulait être prêt, il voulait être au contact et jouer dans le couloir, pas facile. Du coup, on s'allonge, enfin, on essaie de casser la range. Il s'attend pas à ce que Alpi soit au contact, ouais, c'est ouais, tout c'est quoi. Je pense que là, il a pris le drone sur la zone de la bridge, donc en soi, il est censé pas même pas l'entendre de prendre le drone. Non, c'est juste qu'Alpi, il a des couilles. Je pense qu'Alpi, là, il joue en mode pour surprendre parce que. On est d'accord, on en a pas parlé, mais celui qui perd dans le loser bracket, le premier qui sort, il doit quelque chose. Je pense qu'il doit les 50 euros en fait. Non. Ah non, si, non, si, non, si. Non. Ça, ça rajoute beaucoup. Non. Ah si, non. Si. Non. Moi, je suis d'accord. Je suis chaud de faire un truc comme ça, mais alors là, pour le coup, ouais, tu laisses de la préparation comme toi, parce que j'ai pas envie de perdre 50 balles. Ouais, ah bien dit ça. Ou alors tu participes. Ou alors. Mais ta gueule, toi, ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas préparé non plus. Hein. On n'est pas préparé non plus pour faire des inverses. J'ai jamais joué yacht de ma vie. Bah alors, mais pour toi, le vent. T'es pas préparé. T'as une GA dans les dents, mec. J'ai une GA. T'étais en train de gagner la GA, j'allais chercher des bouteilles d'eau. Tu crois quoi? Il y a un moment. Oh, ouais, putain. Mais tu vois, c'est pas pareil. En fait, les 1v1, ça représente pas vraiment le niveau d'un joueur, tu vois. Ouais, la GA defense. Non, mais en vrai, je suis chaud de faire ça. Mais du coup, là, tu laisses genre même une semaine, ça suffit de préparation, pas un mois. Parce que nous, tu sais, tu vas faire comment pour t'entrer en 1v1? Bah, tu fais des 1v1 contre des potes, tu fais des setups, tu traites comme une grosse. Il y a plein de 1v1 sur le Discord tous les jours. On va commencer à faire des setups carrément. Il est malade lui, hein. C'est tout seul à faire ça. Hein. Okay. Non, mais ouais, j'avoue, c'est difficile. Moi, Yo, je la connais pas. Genre, quand j'ai commencé Rainbow Six, c'était déjà plus du tout en. En vrai, je l'ai joué quelques fois, je la connais. 5 kills. Qui a pas placé son shield. Oh, ah, il joue pas. Mais c'est le 1v1 le plus aggro du monde là, non? Oh là là. J'avoue. Non, il y en a vraiment. Quand on a joué les pros, il y avait Dan qui jouait tout le temps comme ça. En mode bas les couilles, quoi. Spoit aussi, hein. Spoit, jamais de drone. Vrai, hein. Jamais de drone. Que du léchage d'arrêt là. Clic droit, du début à la fin. Clic droit 1.5 et on avance. Ouais, tu te caches et c'est bon, quoi. T'as gagné. Et un mec comme Liké, tout l'inverse, quoi. En mode j'avance, je drone, j'arrive à un truc. Le mec il est dans le garage, je l'ai mis dans le garage sur house, je suis au niveau de la gym, je sais que j'ai le contrôle à droite, je sais que j'ai le contrôle à gauche, quand même je pourrais pousser à droite, j'ouvre le mur de gauche, j'ouvre le mur de machin, j'analyse le fait qu'il soit plus dans la partie gauche de la machine, et comme ça je réduis, entonnoir tu vois, incroyable. Non c'était vraiment, au début moi aussi c'était pareil, la première fois quand j'ai fait oh, les duels c'est un peu de la merde et tout, quel est l'intérêt sur un jeu 5v5 ? Et au final... C'est beaucoup plus sympa d'avoir un duel. L'exercice est beaucoup plus sexy d'un duel sur un jeu comme Rainbow Six qui n'est pas forcément skill-based que l'exercice serait sexy sur un 1v1 AWP map ou aim map sur CSGO. Quoi. J'ai une question en vrai, Six. Pour le bien de l'équipe, genre. Je sens le sourire de Narquois dans... Je suis pas mieux à laisser gagner de Carl Dogo. Déjà qu'il a pas de confiance en soi, si en plus je le maltraite en V1. Mais Scart, je t'en supplie. Scart, écoute-moi, écoute ce que je vais dire. T'as des problèmes de thunes en ce moment ou quoi? Non, ça, ouais, non, je suis pas large, ouais. Mais t'as quoi? T'as besoin de quoi? Bah, de thunes, du coup. Si c'est toi qui gagne les Salty Duel, ce sera 100 euros. Okay. Si c'est moi, c'est un PC chez Flop. Mais nique ta mère, toi. Toi, c'est une cam. C'est une webcam. Ah, ce sera pour Alpi, ça, du coup. J'avoue. Ah, moi, je veux bien une webcam aussi. Hein. C'est trop chiant, l'ordi portable à côté. Moi, je veux bien 50 euros. L'ordi portable à côté. Ouais, moi, je suis comme ça. Bah oui, mais bon. Attends, une webcam, les gars, ça coûte 10 euros, faut pas déconner. Vous allez à Easy Cash. Il a dit...
Easy cash, cash converter, c'est la C920 quoi, et puis en avant. Hein. J'ai la C920. Oh oh oh! Oh! Pourquoi il s'est pas pris la Grismoth? Si, il s'est pris. Bah, c'est... Tu la prends pas quand elle est en l'air. L'air jab. Ah ouais? Ok. Je sais pas. Oh, le duel il est long, on dirait un lundi. Oh, il est lent, celui-là. Oh 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 oh! Oh là 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 là! Alpi, en fait, il surprend trop comment il joue. En fait, les 1v1, ça qui est dur, c'est que tu vois, tu peux être naïf de rien, bah, ouais. rien du tout. Tu connais Yacht ou pas, Il commence à flipper, tu vois. Ah oui. C'est là depuis 2002 sur le jeu aussi. Arrête, ça coûte pas cher une bonne webcam, c'est 60€. Logitech C920, les mecs, c'est l'une des meilleures webcams du marché, et c'est l'une des webcams qu'on trouve le plus en occasion. Faut arrêter avec le matériel neuf aussi. Même les Logitech C920, tu peux les trouver sur D-Labs. Elles sortent tous les 3 mois sur Amazon à 20-30 balles, en neuf. Donc tu peux la trouver facilement à un Easy Cash ou un Cash Converters de ta ville. Bah, ça existe encore, mais Easy Cash, quoi, tu la trouves à 5 balles, la C920. Ils prennent tous, c'est là. Parce que là, c'est... Parce que les Grismoth, le Shield... Ouais. C'est vrai qu'elle a le Shield aussi. Ouais, et puis la différence d'Alibi, Alibi aura une meilleure arme, je trouve, mais c'est que les Grismoth, c'est quand même relou. C'est la trappe. Oh là là, en fait, il reste pas beaucoup de temps. Hein. Si elle pille droit, ouais. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est en mode cacanoc. Il a pris la mallette. C'est la première fois qu'on le voit, le drone. En vrai, prendre knock alors qu'il joue foulé là. Ah, le fils de pute. Pour voir les nades, je pense. Et l'arme, bah, je sais pas. Oh, ça, l'erreur. C'est son... Oh, l'erreur. Il est sur le live. Il est sur le live. Il est sur le stream. Alpi, faut sortir de son drone. Il donne des infos. Il est là. Il va net. Bah oui. Non. Bah oui. Oh. Oh la 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 la. Le game zance. Oh la la la. Oh là là, le game sense d'Hero cool. Alpi qui passe directement favori du Salty Duel sur cette nade. Bravo. En vrai, elle est traumatisée, mais ça n'est. Néo, tu as lâché Yana. Mais, en plus, je t'ai montré la preuve avant. Pourquoi vous voulez pas, on en parle, pourquoi vous voulez pas laisser Alpi en first entry? Bah, il peut le prendre, hein. Pour moi, Alpi, il est pas fait pour jouer first entry, il est fait pour jouer dans son coin. Pour moi, Alpi, en entry, il va pas réussir à bien faire les trucs, tu vois. Je suis d'accord. Entry, il se fait chier en vrai. Enfin, genre, c'est fun parce que t'as les premiers duels, mais les premiers duels, ils sont chiants à prendre. Et après, t'attends, tu tempo en fait. Tu prends des zones, tu tempo. Alors qu'en étant flex un peu plus aggro, là, c'est pas forcément de la manière dont tu joues, je trouve. Bah, là, pour le coup, tu peux faire l'idiot. En first entry, jamais tu fais l'idiot, tu vois. Et Alpi, il a envie, c'est... Sauf que quand t'es lurker, faut que tu prennes des initiatives. Et là, on est d'accord. Déjà flex, il prend pas d'initiative. Donc, je suis d'accord. Grave, en fait. Je suis d'accord, mais c'est un peu le truc, genre. Donc, l'action, dont, les choses dont il se plaint ne sont pas antinomiques avec son rôle. Ah non, il est flex, il peut faire ce qu'il veut en soi. Il nous aide pour la prise de zone, une fois que la zone est prise, il fait ce qu'il veut. Ouais, mais il a vraiment l'impression de tenir 6 building pendant 6 000 heures, quoi, et que ça manque un peu de flexibilité au final. Parce qu'il prend pas d'initiative. Ok. Merci Tisma, t'es un monstre poulet, merci pour le raid. Si tu prends des initiatives, c'est pas faire ce que tu veux aussi, tu vois. C'est aussi prendre des initiatives en fonction de... Tu dois dans tous les cas aider l'équipe, tu peux pas faire un truc dans ton coin de A à Z. Et je pense qu'aussi, c'est du mal à avoir le truc où il fait un peu ce qu'il veut, dans le cadre où il aide un peu l'équipe. Parce que si Alpi, si tu lui dis fais ce que tu veux, il aura plein d'idées. Hein. Il va faire des trucs pas mal en vrai. Enfin, des trucs pas mal, je sais pas. Mais en tout cas, il va faire. Pour lui, mais pour l'équipe. Parce que... Oui, voilà. Ouf, j'ai ça. Pas vu. Oh, ouais, bon. Il l'a arraché. Ouais, c'est ça. Pour l'équipe, ce sera pas ça. Et c'est ça en fait le problème. Vas-y, fume ton joint, ce carton. Ouais, l'autre, c'est Lucky Luke, quoi. j'ai envie de me détendre avant de défoncer Jay. C'est important. Non mais honnêtement, il n'y a pas de prédiction là. Il n'y a même pas de prédiction dans le chat, quoi. Commence pas. Il a mis quoi? Il est en train de le taunt, il est malin. Oh. J'ai pas la ref. T'inquiète pas. Ouais. Ouh là là là, c'est... Oh, la sortie glaze pour les windows. Oh.
Oh. Attends, c'est des BO1 là, on est d'accord. Ouais, BO1, ouais. Bah oui. Ouais. Tu vois, ça je l'ai su grâce au Celtic Duel. Tu savais pas que Glaz il pouvait tirer à travers le window. Bah quand même. Bah, Elie Kefak qui a 19 ans, les mecs, il a fait la même quoi. J'ai fait, mais attends, mais tout, les gens ne savent pas ça. Et je sais pas si Kali, on en avait parlé. Ouais, je sais pas. Je sais plus, non, mais. Elle peut, je crois. Je crois pas. Ah ouais? Je crois pas. Justement, c'était une discussion quand elle était sortie. Mais c'est con. C'est débile. Ah ouais, parce qu'en soit. Mais faut pas se faire spot là. Quelle lancette drone. Ok, c'est propre. Ah. Les cams, voilà, c'est la première fois que quelqu'un prend les cams. Oh, ils sont drone, il s'arrête avant les cams quand? À tout moment, il les prend. Bien vu. Il y a moyen. Tu devrais être analyste, tu serais meilleur que. J'aimerais bien te coacher T1. In-game. Tu penses que t'as la capacité. Joueur T1, GA, joueur T1. Non. Ah, mais genre pas coach, genre assistant en mode, tu vois, stratégique. Ouais, moi j'aimerais bien être analyste aussi. L'autre, il a juste envie de fucker des e-girls. Alpi, il est où? Faut le CSC. Serial fucker. Le coin de son camp. Jamais de la vie, mon gars. Il est terrifiant. T'es ouf ou quoi? Mais attends, mais j'ai l'activité sexuelle du Dalai Lama, mon gars, depuis 5 ans. T'es ouf. Allez, ouais, je suis là, on dort. Hein. Bah, c'est vrai, comme Dalpi, il fait quoi, Alpi? Mais Jaya, il est jamais. RQ est jamais resté autant si, sur si, les elle peut, apparemment, Kali. Ah bon? Ah, il est en train de drôner toute la map. Oh, le yep. Oh, il l'avait. Mais qu'est-ce qu'il fait, RQ? Ah, il est sur les cams. Bah, en fait, Alpi, là, il drone pour rien parce qu'il va. Pour... Enfin, RQ va savoir ce qu'il fait dans tous les cas. Oh, il l'a pas vu là-bas. Ah, si. Il est long le round. Il va pas chercher le drone. Ah, il l'entend pas. Il fait quoi, Alpi? Bah, il est valué par la fenêtre. Ah, il veut le faire bouger. Ok. Putain, il est malin. Oh. Y'a pas un truc derrière, genre, pour monter un peu plus haut? Si, si, il peut aller sur le bout de l'aile. Ouais, mais bon, il a pas le temps de revenir sur site. Il peut monter là, et tu peux monter sur la colonne de ce truc-là, là. Et te mettre au-dessus. Ok. En plus, RQ, il sait pas qu'il a glace. Non. Oh, mais il bouge pas, RQ, là. Pourquoi RQ bouge si peu, par contre? RQ, il est en mode caca culotte, là. Parce qu'il est sur le live, RQ, je pense que c'est un putain de cheater, ce fils de pute. Il va mettre deux coups, il va prendre la carte. Ah non, c'est moi. Ouais, mais il peut. Faut qu'il prenne la carte. Il a des nades ou pas, le pire? Non, il a des smokes, je pense. Oh, trop ouais, simple. Ouais. 5-4! C'est serré, hein? Ouais, c'est serré. C'est dur d'attaquer en 1v1, non? Ouais, comparé c'est à défendre. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu commences à flipper, tu y es. Non, mais j'ai jamais fait d'un 1v1 de ma vie. Ah, ouais, bah oui. Ah, je sais, par contre, j'avais fait tes 2v2. Scar, je t'en prie, défonce-le. Tu veux tout faire, pin-le. Jaya, quelle est la probabilité que Scar gagne contre toi? Sur un BO1? Ouais. Ouais. Ah, ça rajoute des trucs à chaque fois! Bah, non, sur un BO1, là, avec la fatigue en plus, 22h00. Ah, ouais, sur un BO1, tout le monde peut battre tout le monde. Aïe aïe aïe! Mais je pensais que ton intelligence supérieure allait pourtant carrer. T'inquiète. Ok. Si Scar perd, il donne le numéro de sa mère. On nous dit dans le chat. Qui a proposé ça? Franchement, moi je trouve ça pas mal. Qui a proposé ça dans le chat? Tu mets ça sur Twitter. Ouais, bien sûr. Avec une photo d'elle, appelez-la. Appelle-moi. Appelle-moi, téléphone rose. Aïe. Si tu veux prendre des banques, les flanques. En tout cas, appelle-moi. Lui, il a sa strat. Hein. Il fait tout la même chose, le même shield. À croire qu'il y a réfléchi. C'est en train depuis le début en fait. Putain, il est en train de regarder les spots de drone et tout. En fait, tu lui as déjà parlé en fait, 6-4. Alpine le sait. Qu'il y avait des mecs arrivés. Mais il joue sérieux, moi j'aime bien les gens qui jouent sérieux là. Bah on va jouer sérieux. Ah. Toi sérieux mec, qui est con comme un cactus. Ouais, ils sont pas les couilles à cul un peu. Hop là. Ils sont pas les couilles, prend l'info, il court. Hein. Ouf. Ah, il va la trappe. Il va faire la trappe. Ouais mais ouais. J'sais ouais. Pas non, il veut péter le shield. Il va faire la trappe, je pense. Ou l'avertir, il y a la vertu au-dessus, je crois. Ouais, il y a l'avertir. Ah ouais, ouais, ouais. Il aurait dû ping le shield. Toi, lui, tu vois, là, ce qu'il fait, Scat, Nero, il fait genre, il sait rien, comme ça, quand s'il joue sur la map, il va dire non, mais je connaissais pas la map. Lui. Oh là là. C'est trop smart. C'est trop smart. Mais tu rigoles, il a juste eu un timing dans le jeu. C'est smart. En V1, tu t'attends jamais à ça. Ouais. Non, mais je te sais que je jure, j'ai jamais joué sur plane, j'ai jamais. Enfin, je vais le mettre au sur plane. J'ai jamais fait de la simple. Ah voilà, tu connais. Ah non. Ouais, je fais plane, je connais, mais après, je vais jamais tout en haut sur plane.
Zoxy, tu voulais pas récupérer le truc que je t'ai dit en haut? Le message pour Tio? Et en plus, il marche pas visiblement les hashtags là. Il a mis quoi? Ok, Hercule qui prend des initiatives. Ok, 5-5. Combien tu peux sur 7? Ouais, comme normal quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit si... Si long. Long. Mais ils prennent leur temps aussi. Dis à Alpi de jouer montagne. Lol. C'est Plane aussi qui veut ça. Bon bah... Qui... Ouh, j'aime bien ça. Ah oui, aussi, c'est règle salty duel. Hein. C'est 2 minutes 30, pas 3 minutes. Voilà. J'insiste. J'aime bien Alpi là. J'ai... En vrai, les... En vrai, tu l'aimes bien, Alpi. Avoue, tu l'aimes bien, Alpi. Mais j'aime bien que ça joue aggro, là, tu vois. Ouais. Et bon, il doit y avoir deux mecs dronés, 2 minutes 30. Oula. Merci, Duditi, pour les 11 mois. T'es un monstre, poulet. Ah, il fait un retard. Il fait un retard, ouais. Welcome back. J'espère que tu vas bien. Plus petit que 3, 6, 4, 6. Il a encore un drone. Pfff. Il a C4 Hercule? Non, il a mis un coup de shotgun, je crois. Oh. Je vois comment il y a aucun des deux qui est mort là. Oh, oh. Le timing. Il l'a pas proc en C4. Oh, il a tiré. Oh, un échec. Non. Bah ouais. Là, c'est des ego pics. J'avoue, c'est vraiment bien. On va s'affronter au bout du couloir. C'est qui a la plus grosse fils de pute? Derrière qui se repique. Ah, le qui repique sur sa SMG, la débile. Il passe de gauche à droite, il a aucun intérêt à repique derrière. Salut, coucou. Il voulait juste finir le round. Ouais, c'est clair. On peut pas faire le bad map tout de suite avec Cert? Comme ça, tu lances direct après. Si. Merci Rudy, si t'as un monstre. Des couilles, si t'as des couilles, on va sur l'étudiant pour sur les formations de charme. Si t'as pas de couilles, sur map, mais... Vas-y, pas Goyote. Choisis la défense du coup, vu que t'as choisi la map. Non, ça va. Ah, petit frère, c'est ça. Vas-y, bah, choisis la défense. Choisis la défense. Toute cette préparation pour se faire battre. Ok. Mange décisive, les amis. Tu vois, tu dis que t'as pas confiance en toi, t'as pas d'ego. Balle de match, pardon. Les gars, tu dis que ouais, moi j'ai un ego caché, mais toi c'est... Non, mais moi j'ai aucun ego, je fais ça pour... Ouais, mais ça y est. Je fais ça pour la façon. Ouais, c'est ça. Non, mais dire des trucs, pour moi, c'est pas de l'ego, faut le montrer. C'est la réaction aux choses. De l'ego, mon grand. Bah évidemment, j'ai de l'ego, sinon je ferais pas de la compétition, tu vois, j'en ai un voilà, peu. Voilà, après tu dis que t'en as pas. Mais j'en ai pas. Ah, autant, il en a perdu une certaine partie dès qu'il a décidé de se mettre torse nu dans un bar homo. Voilà, déjà. Le soir où il s'est dit you. En avant. On se lâche. Ok, c'est le on soir. On se lâche. C'est le soir. Hercule, il aime trop les trappes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bah, faut s'y reprendre, gros. Ah, mais il l'a fait une fois déjà. Oula. C'est l'averti. Y'a pas d'averti. Ouais, prenez sa maçon de charme sans le S, les poulets, si vous voulez le charme. Ah ouais, en mode Balek. Oh la 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 la. Ah, et puis qu'elle a gagné. Je sais pas s'il a fait exprès de... Oui, il a fait exprès, il a fait exprès. Il a fait exprès. Vas-y, je vais boire de l'eau. Il peut s'amuser, il fait ça. Ah là là là, ouais, vas-y, passe. GG. Non, GG mais... de foot. RQ. Il est là? Non, il t'a pas démuté encore. Ah bah ouais, mais qui se démute plus du tout quoi. Ça, et franchement, non, ça finit. Deux rounds, je le mets à un HP, je suis dégoûté. Ça finit en gif, ça, hein, le dernier round là. Il a sorti la charge, non? RQ, ça finit en gif celui-là. Mais moi j'en peux plus, mon clavier il est limité. Oui, bah oui. Mais c'est vrai. C'est quoi ton mais clavier? Je peux la merde. C'est un... mais le clavier il est bien de base, j'ai tapé dessus une fois et maintenant il marche plus. Mais pourquoi t'as tapé dessus en même temps? Bah la roquette, hein.
putain, la vache. Bon, les amis, RQ tombe en loser bracket après une victoire. Rapporter les scores, du coup, nous avons un score de 7 à 5. 5-7. Vérifiez le Alpi en vainqueur. Envoyez les scores. Sauvegarde en cours. C'est parti. Allez. Je savais même pas qu'il y avait une trappe ici. Quoi. Mais elle a été rajoutée, la trappe. Il enfin, y a une trappe qui a été rajoutée sur Plane. Je crois que c'est celle-là. Ça, ouais. Parce que j'ai jamais vu une trappe ici. Hein, tu... non. Toi, elle est toujours là aussi. Hein. Non, il y en a une qui a été rajoutée, je crois. Si c'est pas celle-là, c'est celle dans la pièce d'après. T'sais. Il me semble. Hein. Bon, ok. Il met une charge. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait au top? RQ tombe en loser bracket. Et on rappelle quand même, pour celui qui est le premier à perdre du loser bracket, il est obligé d'envoyer un tweet avec la photo de sa maman, le numéro et appelle-moi. Appelez-moi. Je préfère mourir. Aïe, aïe, aïe.